Bonjour à toutes et à tous, c'est Misolfi, on se retrouve aujourd'hui sur Blackchain, sur une vidéo un petit peu découverte en fait, parce que j'ai vu passer ce jeu à un moment. Apparemment il est très Starcraft-like, Warcraft-like, je sais pas comment je peux dire ça. Et comme je sais que c'est le type de jeu qui plaît énormément sur cette chaîne, putain ce banger en fond. J'aime déjà ce jeu. Mais voilà, c'est un jeu indé, fait par ce gars-là. Je sais pas si c'est un groupe de personnes ou si c'est juste une seule personne, mais c'est vraiment très 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 limité au niveau nombre de personnes qu'il y a derrière, hein, voilà. Les options, vous avez ça, c'est tout. c'est tout, donc il n'y a pas de version française pour l'instant. Je ferai une traduction, peut-être en mode patate quand même, mais je ferai la traduction comme je peux. Écoutez, on va faire quelques missions ensemble, découvrir un petit peu. Voilà, j'ai vu un peu de gameplay, j'ai lancé le jeu, voir si ça se lançait bien, s'il y avait moyen d'enregistrer dessus. Et ça a l'air d'être bon, donc écoutez, c'est parti, campagne. Je m'arrangerai pour faire une traduction d'une manière ou d'une autre pour tout ce qui est dialogue. Et écoutez, c'est parti, voilà. Alors, ici... Vous avez tout un historique un petit peu de ce qui s'est passé, alors... année 2050, le monde est dominé par les méga-corporations axées sur les technologies de l'information, de la robotique et du minage sur les astéroïdes. Année 2053, un gros impact de météores a été détecté loin dans le nuage d'Oort. Les analyses sur le phénomène ont mené à la découverte de Minerve, 9e planète du système solaire. Année 2056, Tiker, la première corporation dirigée entièrement par une IA, est établie. Année 2068. Les planètes extérieures sont bombardées par les débris liés à l'impact. Ils contenaient un minerai superconducteur inconnu. Ce nouveau matériau a été appelé Minervite. Année 2070. Les gouvernements terrestres finissent par totalement transitionner vers les crypto-monnaies. Année 2076. Une première expédition sur Minerve est lancée par Tiker, désormais la plus grosse corporation spatiale. Année 2078, les Nations Unies rendent légale l'utilisation d'IA à des fins militaires en dehors de la Terre. Les premières zones libres de corporations sont établies. Année 2080, la technologie blockchain est inventée, acclamée comme virtuellement inattaquable même par les ordinateurs quantiques. Année 2082, la Minervite a permis la création du premier ordinateur quantique à TerraQubit. Année 2085, la première expédition arrive sur Minerve. Année 2088, après une tentative ratée de dominer le monde, Tiker est démantelé par les gouvernements terrestres, la course pour récupérer leurs ressources est lancée. Why not? Écoutez, continuons, hein, écoute... Commander, perfect timing. We just got the heads up that Tiker is being cleared out of the Saturnian system. In just a month, all their assets will be up for grabs. They really caught us with our pants down. The Galilean bases are way out of orbit. Therefore, it's up to you on Mars. The CSO of our Martian outpost, Lieutenant Cassio, is rounding up our troops near the airfield as we speak. Remember, you are entering a free corporate zone, so lethal force is authorized against our competitors. Chief, we've just got a distress call from the Lieutenant. Repeat, we've been hit by Arenico agents. We're pinned down, requiring immediate assistance. We've managed to contact one nearby unit. That's a start. Find whatever's left of the lieutenant and leave for Saturn ASAP. Très bien. Alors ça fait très Starcraft 1, hein, les portraits comme ça et tout. Voilà, normalement il y avait du texte là en anglais que j'ai du coup traduit pour vous. Comme ça vous voyez ce qui se passe. Ça je sais pas si Hard ou Easy est sélectionné, je sais pas. Je vais laisser comme ça, on verra bien si j'ai du mal ou pas. Enfin bon, c'est parti. Paf. Commander, we must find the surviving members of our team. Très bien. Très bien. Jusque là, oui, ok, c'est le tutoriel. Je sais comment fonctionne un jeu, t'inquiète, voilà. C'est bon. Voilà, niveau graphisme, j'aime bien. C'est... Salut. Ok, très bien. Très bien, très bien.
C'est bien, on a une idée du DPS ici, c'est chouette. Ça c'est le nombre de points de dégâts qu'ils font par, par attaque, si j'ai bien compris. L'XP, tout ça, ouais, je... Est-ce que ça augmente... Est-ce qu'ils augmentent en XP au f- en mesure de... nombre de kills qu'ils font? Ça peut être intéressant de savoir. Ils ont plus de DPS, hein, forcément. Ok, ouais, c'est globalement le nombre de morts qu'ils font, ou comment ça se passe? Je ne sais pas. Mais oui, comme je disais, au niveau graphisme, c'est assez sympa. Je peux pas trop zoomer, malheureusement, c'est dommage. Mais ouais, on voit que c'est très Age of Mythology au niveau détail. Mais j'aime bien, j'aime bien. Si on veut voir dans les options, on peut réduire en temps réel, du coup, le truc. Et voilà, bon, c'est un peu plus sombre, bizarrement, ça je comprends pas. Mais le jeu reste vraiment correct niveau truc. Donc si vous avez un PC pourri, ça arrive. Franchement, pas trop mal. Voilà. Salut. Et pour une fois, on n'est pas bleu d'entrée de jeu. Hein. On commence en étant jaune. Voilà, c'est ça, hein. 3, 4. Oh. Je sais pas comment ça marche, le système d'XP. Ok. Ok, donc apparemment le truc est réparé si on reste à côté. Je sais pas si ça fonctionne comme ça. J'imagine ça, c'est un héros, oui. C'est ça, hein. Wreckage. Thanks for the help. Now, let's clear out the launch site. Ouais, c'est ça. Donc, les pionniers sont là, les pionniers sont là. C'est ça, on a le lieutenant Cassio ici, du coup. Putain, ces animations sont sympas, franchement. J'aime beaucoup la patte graphique du jeu. Ceci étant dit, oui, 10 DPS, putain. oui, je sais pas si les unités héroïques peuvent être à chaque fois réparées comme ça. Ça peut être mieux, en fait, bêtement. Est-ce qu'il y a quelque chose par là? Ah bah, le chemin, oui, en fait. Ponk. Ce ponk. Par contre, les bruits font un peu nerf. Je dis ça comme ça, mais... Truc de soin. Oui. Attends, regardez. C'est quoi ça? Ok, les trucs qui ont été hack apparemment. Oh, bonjour. Ah, et les tirs sont de couleurs différentes en fonction de... Oh, ça c'est chouette. C'est bien, ils ont fait un effort au niveau lisibilité du jeu, je trouve. Donc je sais que je reste, enfin vous savez que je reste toujours très pointilleuse à ce niveau-là, mais au niveau lisibilité, ça reste très important pour les personnes qui ont un désavantage, par exemple niveau vision, genre les daltoniens, ce genre de truc. Ça reste important pour eux aussi de pouvoir lire les couleurs assez facilement. Donc plutôt un bon point jusque-là, ça c'est un allié. Hop hop. Oups. Comme il a volé. Ah, j'adore. Salut. Et ça, c'est le chemin, je suppose. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un autre héros, du coup? Je sais pas. Peut-être pas. Je pense que ça, c'est une unité standard. Une unité un peu plus bulky, forcément. Comme ils ont déjà des unités plus bulky que juste nos pionniers. Pas pionnières. Hop. Très bien. C'est un peu cheap, ça, par contre. Mais... Par contre, le banger, rise and shine, Commander. We are approaching Titan, the largest moon of Saturn. Guys, the orbit is already held by Orinoco. We'll have to clear them out before we can land. I'm also detecting a third party. Any intel on them?
The surrender of Ticor left most of their personnel stranded across the system. They've likely turned to piracy by now, but we could convince some of them to join us, so keep an eye out. Will do. Commander, ready when you are. Très bien, très bien. Alors je vais juste faire un petit test, hop. Je veux savoir. Ouais, non, pour un daltonien, enfin la majorité des daltoniens, les couleurs sont très lisibles les unes par rapport aux autres. Donc bon point jusque là. Surtout ces deux couleurs là, c'est très difficile de faire en sorte qu'elles soient lisibles l'une par rapport à l'autre. Mais au moins oui, le vert est vert plus haut, c'est pas mal. C'est bon choix de couleur. Alors, continuons. Prendre contrôle de l'avant-poste. Très bien. Hello. Stay frosty. Space Marine. Move your buttocks. Roger. Ready when you are. Sounds good. Commander, we need to get this base up and running to prepare the assault. Très bien, très bien. Des rovers. J'aime bien le principe des trucs comme ça. Donc on a des rovers. Ça a l'air d'être les ouvriers, je vais dire. On dirait tellement les sondes de StarCraft. Et du 1 de StarCraft, hein, vraiment. Mais en un peu plus thick, mine de rien. Oh! Et les cristaux sur leur dos grandissent au fur et à mesure qu'ils récoltent. C'est chouette! Voilà, genre, je vais en récupérer deux. Mais trois rovers, oui, c'est exactement ça qu'il faut. Et Black Chain Cores. Très bien, très bien. Ouais, je sais, t'inquiète, t'inquiète. Mining is too expensive. Blockchain core. Donc augmente la crypto-monnaie, enfin la production de crypto-monnaie et la capacité. Plus efficace dans les chunks frais. Ah ah. D'accord, je ne sais pas trop comment ça fonctionne à ce niveau-là. Mais vas-y, je t'en prie. Ah, oups. Je peux récupérer ça? Non, ça meurt. Ok, je viens de gaspiller, je pense. C'est pas grave. Ouais, j'ai cru comprendre. Non, vas-y, rends-moi ça, voilà. Non. Top. On va en faire un autre. Aide de camp, quel est mon statut? Ah, et ça consomme le rover, ok. Bah mais oh! Je veux savoir pourquoi? Non mais oh! Mais puis quoi encore là? Je te jure. Attends, viens là toi, hop. Voilà, ça en fait un troisième. Jusqu'à présent, je vois pas de différence niveau chaleur. Ça, c'est vert et... C'est tout. Ça, vert, ça veut dire que c'est bien. Je sais pas. Construire une caserne et entraîner six troopers, ok. Très bien. Attends, toi, hop, viens là. Ouais. Structure basique. Alors, d'un control hub, c'est ça. Blockchain super core. Ok. Trois corps en un. Ah oui, et les corps, c'est plus un. Et ça coûte 50 Minervite, donc... Est-ce vraiment plus intéressant? J'ai pas l'impression. Bref, baraque. Ah oui, elle a regardé, ça passe en jaune. Je sais pas si c'est visible pour tout le monde, mais voilà, ça passe en jaune, donc ça produit de la chaleur. Très bien, ok. Je ne peux pas faire ça là, parce que je ne sais pas. Ok.
Soit, on va faire ça dans ce coin-là. Très bien, très bien. Jusque-là, c'est intéressant. Je sais pas si c'est la musique, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit côté... Command and Conquer, quand même. Command Post. Basic Technology. Ah, ça peut être intéressant. Mais ils veulent que je fasse des pionnières d'abord. Ah ok, c'est maximum 5 unités dans la liste d'attente, très bien. Jusque-là je suis d'accord. Ah. Eh mais ils vont se calmer là. Ok. Ok, bodysuit, ouais, plus d'armure, ouais, ça me paraît bien. Toi, t'es là, ok. Je ne génère plus de crypto-monnaie, donc il va falloir que je fasse gaffe. Toi, là. Attends, attends, attends. Repose ça là. Ok. Voilà, viens là, toi. On va refaire un autre. Mais donc là, ça veut dire que si j'en fais davantage là, j'aurai moins de rendement. Donc pour bien faire, il faudrait que je le fasse un peu plus loin. Je vais tenter là. Ouais, ça c'est définitivement effectivement juste une unité plus bulky. Je cherche mon pleté, voilà. Von Neumann Mesh. Ok, oui. Ah, il faut plus de pièces, très bien. Très bien. Attends, 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 j'ai pas terminé. Ça, je pense qu'il va en falloir quelques-unes quand même. Ok, ouais. Ouais, F2 ne marche pas, merde. On peut faire des Space Marines, voilà. Par contre, ouais, les pièces, je pense qu'il va falloir faire vraiment davantage de CPU, enfin de cœur, on va dire CPU parce que je pense que c'est le plus simple, d'unité centrale, de trucs de recherche, voilà, un Space Marine, et notre héros bien évidemment. C'est quoi ça? Place ma charge. Ok, ça doit être plus intéressant je pense. Bah face à des ennemis, forcément, bizarrement. Ouais, je vous jure, c'est surprenant, hein. Je vais refaire un ou deux rovers. Ça, c'est le rally point, oui, mais je peux déjà... Ouais, je peux en placer un comme ça, bêtement, aussi. Très bien. Ok, ok, jusque-là, ça va. Ouais, je vais refaire... attends... Je vais tenter ça. Ouais, vas-y, va là-dessus. Toi, fais ça. Si tu le dis. Ok. Par contre, je crois que au niveau musique, c'est la même musique en boucle. Ça risque d'être emmerdant au bout d'un moment. Mais c'est pas trop grave. Ça, je peux faire la recherche, enfin. J'ai fait la recherche pour ça. Attends, viens là, toi. Non, viens là, viens là, viens là. Bon. Ici. Je vois pas en quoi c'est plus intéressant. Ça doit être plus intéressant pour... Ouais, on voit effectivement là où ça a créé la chaleur ou pas. Hein. Wow. Il va falloir manager un petit peu... Oh, je peux pas construire là, c'est dommage. Il va falloir gérer un petit peu tout ce qui est... tout ce qui est gestion de trucs, en fait. Mais oui, non, parce que ça produit autant que ça, mais ça consomme autant de place que 4 trucs comme ça, et ça coûte autant que 4 trucs comme ça, donc où est l'intérêt? Tu dois pouvoir les upgrades, à mon avis, hein, parce que d'une manière ou d'une autre, je sais pas. On va tenter. Ou alors ça permet de garder beaucoup plus de minerais? Je sais pas.
Search complete. Je sais pas. C'est un peu plus bulky, mais c'est tout, en tout cas, au niveau PV. Construction complete. Et non, c'est que 3. Donc, où est l'intérêt? Que ça produit 3 fois plus de chaleur aussi, quoi. Je comprends pas, c'est pas grave. C'est pas trop grave, on va avancer un petit peu. Peut-être faire un ou deux soldats en plus. Bonjour. Tiens. Ok. Non, prenez. Let's roll. Y'a pas moyen de prendre ça? Ah si. Receive. Show me the way. Who's looking for action? Let's get... Attends, viens là toi, hop. Barracks, oui, bien évidemment. Vas-y. Je pense que c'est le plus simple. Ah, ça c'est bien. Who's looking for action? Where you want... Show me the way. I'm here. Ok. Sounds good. On it. Sounds good. Construction complete. Don't shoot. We will join you. Just get us off this godforsaken rock. Smart choice, but don't expect any special treatment. D'accord. Alors je note que voilà, on a le maximum de crypto-monnaie qu'on puisse avoir. Ok, ouais, donc ça produit dans les deux quand même. Ouais, j'ai évité de faire que ça. Je sais pas combien de personnes on peut sélectionner. Oh. Bonjour. C'était du gâchis, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant pour une éventuelle... Oh. Je crois qu'on a la fameuse base en question. Hello. Je sais pas, c'est pas grave. Bonjour. Non mais... Niveau pathfinding, ça va, c'est pas trop dégueu, franchement. Ça tient plutôt bien la route aussi. Ouais. Non, j'arrive pas à comprendre, c'est pas grave. Ouais. À l'attaque. Oh bah, voilà. Très bien. Bah ça c'est fait, voilà, on a tout détruit. Sauf les cybercore, donc ok, c'est pas grave. Commander, we have an incoming transmission from upper management. Great work on that asteroid. Now your number one priority is securing the Tycor mining outposts of Kraken Mare. The shareholders are expecting a hefty loot of Minervite, so don't disappoint them. We're also detecting plenty of abandoned military hardware near the LZ. We must claim them before Orinoco. Ok, très bien, très bien. Tout le monde gagne quand même pas mal de trucs alors qu'on est face à eux là. C'est intéressant. Eux par contre, ça va, ils chill. What? Des parachutes. Ok, non mais. Non mais ok, ok, non mais je. C'est très drôle. Ah, je peux récupérer ceux-là. C'est combien? 300. Ready when you are. Let's roll. Attendez là, vous. Hop. Il va falloir que je trouve suffisamment de manière. Ah bah voilà. C'est bon. Ah, c'est bien, ils indiquent l'endroit, l'emplacement idéal en fait. Très bien. Très bien, très bien. Concrete cover. Oh, je peux mettre des gens là. Ouais, nickel. Je peux en mettre qu'un seul, hein. Non! Je peux en mettre plusieurs, très bien. Oui,
Donc je ferais mieux de mettre des pionniers parce que les pionniers ont plus de portée que les Space Marines, c'est ça? J'ai l'impression. Ok. Putain, ce banger en fond. Dommage qu'il y ait que une musique. Mais attends, toi. Ah, oh, Advanced Structure. Deposit. Can spawn repair drones. Ah, ok. Par contre, j'aime bien comme la chaleur est une... est littéralement en fait une... une denrée à laquelle il faut faire gaffe. C'est pas mal. J'aurais peut-être dû en mettre un deuxième là plutôt que de bourrer les... Je peux annuler une construction, ça m'étonne. Enfin, à mon avis, oui, mais... Soit. Okay. Ça va les filles, venez coup. Ça a l'air. Ouais, j'aurais tellement... Ah, d'accord. Ah oui, il faut tout ça, d'accord. Très bien. Il y avait des personnes qui venaient de là, mais à mon avis, elles étaient juste posées là. Ah ouais. Space Pirate. Oh, il y a des Space Pirates et des Space Marines. Ok, c'est pas les mêmes. Ah, donc c'était des Space Pirates qu'on avait eu juste avant. Ok, ça fait sens. Par contre, ouais, lui tout seul, ça, c'est juste, j'aurais pas dû utiliser cela. C'est pas trop grave. Ce qui est bien, c'est qu'ils y vont directement. Ready when you are, on it. Sounds good. Let's roll. Ok, c'est juste de l'eau, ça c'est cool. Ah, oh, oh, non, 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 c'est une blague. Attends, attends, quoi que. Ah oui, si, c'est putain d'efficace, faut juste réussir à bien placer. Non, vous foutez de ma gueule, ah, j'allais dire. Voilà, on va pouvoir faire quelques drones supplémentaires. Ces rovers sont juste trop fun, je trouve. Sans déconner. Ok, continuez. Ça, donc il y a... Ouais, il y a 3750 unités ici. Ok. On va continuer d'avancer un petit peu. Pas non plus énorme. Curieux de voir si le reflet ici disparaît dans les... Ouais. Ça, c'est très intelligent de leur part. C'est pas surprenant, après vous allez me dire, mais... Je check, hein, écoutez. Même si c'est juste le reflet d'une seule image. Hop. Never mind. Alors, toi, par contre, tu vas être une caserne. Oui, toi, là, ici. Ouais, allez. Mais j'aime bien la patte graphique du jeu, en tout cas, ça c'est chouette. Ok, attends. Ouais, command post, c'est technologie, ça c'est quoi? Ah, ça c'est un fort comme on a là, d'accord, très bien. Ouh! Mais ça par contre ça chauffe, il faut faire gaffe, très bien. C'est intéressant, d'accord, non mais je... Why not? On va en faire quelques-uns dans la zone ici. Noterai que je l'ai placé juste à l'extérieur de la zone de température de la caserne parce que je préfère prendre les devants au cas où. Toi aussi, pareil, tu vas devenir une tourelle, ça c'est quoi? Can spawn repair drones. On va tenter. Toi,
Désormais, tu es une tourelle. Voilà. Mais... Tiens, c'est sympa, ça sort du sol et tout. On sent forcément les influences, hein, mais je trouve ça très intéressant à voir, mine de rien. Construction complete. Construction complete. Nickel, ok. Donc ça, c'est le truc de réparation. Oh. Stay frosty. What's up? Nice. I'm here. D'accord. Ah, et ça a du temps, très bien. Ça me dit bien. Ça me dit bien aussi, parce que j'imagine que lui est considéré comme un véhicule. Voilà, ok. Par contre, ouais, on a déjà perdu un gisement ici, faut faire gaffe quand même. C'est la mission pour apprendre à quel point ça peut être la merde pour choper les trucs, par contre. Je vais refaire un ça. Parce que, ouais, ça coûte cher, hein. Mon truc ici. Vas-y. Hop. Stay frosty. Ok, alors toi par contre. Research complete. Ici. B. Voilà. Ça par contre ça coûte pas en truc, c'est très intéressant. Hop, je vais te mettre là-bas. Aide de camp, où en est ma situation? Des pionniers. J'ai besoin de ça en fait pour faire des Space Marines. Ok. Très bien. C'est bon à savoir. Voilà, maintenant je peux en faire. Je peux en mettre davantage là-dedans. Oui, je peux en mettre jusque combien? Vraie question. Ah, et ça me coûte 25 de ressources, d'accord. Okay. Je peux en mettre combien? 4? À mon avis, 4 c'est le maximum. Ça m'étonnerait que je puisse en mettre beaucoup plus. Salut. Non, je peux pas en mettre plus. C'est bien ce que je pensais. Donc là, on a notre petite... ici, c'est pas mal. Je sais toujours pas à quel point c'est utile, ça. Mais... Ah, non, parce qu'il coûte vraiment plus cher. Je comprends pas. C'est vraiment l'équivalent de 3 cœurs. Ça en coûte comme 4. Ça prend la place comme 4. Et ça produit de la chaleur comme 3, donc c'est où est l'intérêt? Je ne vois pas, c'est pas grave. Ok, alors, vous là. On va peut-être avancer un petit peu. Ils sont très calmes jusqu'à présent, c'est plutôt pas mal. On va leur dire bonjour. Bonjour. Ça leur est passé au travers, rien à foutre. C'est notre bunker maintenant. Ça sent tellement, ouais, le petit truc qu'on peut faire en mode non, ça c'est à nous maintenant. Oh. Maintenance is too expensive. Construction complete. Ok, jusque là c'est bon. Bon, vous, hop, ici.
Il y a du déposite ici, mais à mon avis, ça doit être un petit peu défendu. On le voit ici. Ouais. Ah, et eux, c'est les verts bleus, comme je vous ai dit. D'accord. Putain, ça fait tellement rien niveau dégâts, j'ai l'impression, ce truc, sans déconner. Ok. This automatic extractor could prove useful. We'll just have to repair it. Ok. Ouais, déposite, oui, j'ai cru comprendre, oui. Le drone est en... doit être en chemin, voilà. Je dois le réparer jusque combien? We've detected two Orinoco mining hubs to the west. Ok. I'm here. Bah, temps d'aller leur dire bonjour, je suppose. We must destroy them before they extract all the minervite. Open the barriers. Alors pour moi, à l'ouest, c'est pas par là. Pour moi, à l'ouest, c'est pas par là du tout, c'est pas grave. Bon, il y a eux, ça c'est clair. Ce truc-là en priorité, merci. c'est bon, voilà. Hop. Ici c'est tout, on dirait. Très bien. Continuons. Ah, revoilà, bidule. Ça extrait genre tout. Mais non mais. Les gars. Comment je fais pour. Je suis vraiment obligé de tous les éjecter un à un, d'accord. Good job fixing up the extractor. Now it works at full capacity. Nickel. Ok, oui, c'est ça. Très bien. Ici, je vais. Ah, ils ont terminé, c'est pas grave. Ce qu'on va faire ici, du coup, c'est ceci. Là. Et vous, en attendant, vous allez faire du long distance mining. Mais il doit y avoir moyen. Oups, bonjour. Ça, c'est des pirates en fait, d'accord. Ok, non, ça va pas se faire. Je vais les emmener là en attendant. Ils passent par où? Mais ils sont fous! Revenez là! Yes, Commander. Who's looking for action? Our workers are under attack. Bah oui, maintenant c'est les workers qui sont en train d'être attaqués, évidemment. I'm on the job. Our workers are under attack. Cours le worker, cours. Nickel. Cassio reporting. They brought. Hey, The waiting order. I'm here. Who's looking for action? Que ça devrait aller, ok. Vous. Revenez là. On va passer par en bas. Remonter par en haut comme ça. Et on verra pour la suite. Ok. I'm on the job. Your voice peers back at me. I'm on the job. On it. I'm here. Sounds good. I'm on the job. Bonjour.
I'm on the job. Récupérez-moi ça. Yes, Commander. Our troops Let's are roll. Under attack. Ah. Sounds good. Je vais nettoyer ça, ça m'énerve. Et le retour du banger. Ouais, c'est vraiment des pirates, ça, d'accord. Je sais qu'on est attaqué, t'inquiète, je suis dessus. Par contre, ces bruits de nerfs, j'en reviens toujours pas, quoi. Voilà. Ok. Nice. Qu'est-ce que vous foutez, vous, là, vous deux? Je vous en prie. Le pathfinding, c'est pas encore trop sage, j'ai l'impression. Pardon? Toi, tu vas les emmener là. Ah, tu te fais pas trop chier, toi, là? En fait? Ouais, long time no see, au moins ça. Il y avait ça là, j'avais pas vu. Et soyez pas con. À ce point là quoi. Bon, je vais les récupérer, je pense pas que ce soit très utile. Je vais garder ici. Je vais balancer une réparation là. Ok. Jusque là ça va. Moi. Cassio reporting. Our troops are under attack. Show me the way. Ah? Bonjour. Yes, Commander. Ouh. Ah mais ils sont vénères en plus, hein. Ah ouais non, ils sont vachement vénères même. Ok, donc ça fait un wreckage. Ok, très bien, c'est compris comment ça marche. Reviens à la maison, toi. Bon, je pense pas que tu puisses. Reviens là, toi. Reviens là. On va se refaire une petite force un peu plus prometteuse, disons. Jusqu'ici, tout va bien. Pour eux, ils continuent de voilà. Hein. En soi, il me faut juste 5000. Hein. J'ai de quoi faire ici, mais... Ouais, forcément ils reviennent ici. Ah, tout de suite ça se barre, hein. Pute. Après, est-ce que j'ai de quoi... On sait où est notre gars, ça c'est sûr. Et donc c'est bien ce que je pensais, les héros doivent simplement être... Ah, ça c'est raccourci rapide, très bien. Je me demande s'il y a moyen de faire ça, ça serait très drôle. On va tenter. Juste pour le fun. Ok, jusque là je suis d'accord. Ils essayent, hein. Mais c'est nerf, quoi. Oh non. Foutez-leur la paix. Ils vous ont rien fait. C'est un crime de guerre de tirer sur les civils. J'ai de quoi faire une armurerie? Non, j'ai vraiment juste ça, d'accord. Bah écoute. Voilà, voilà, voilà. Très bien. Je voulais pas consommer davantage de rover, mais... Est-ce que du coup ça m'empêche de... Non. Mais, worker. Orders received. Who's looking for action?
Pourquoi là je peux pas? Ah, parce que c'est trop près de... Ok. Très bien. Je peux le mettre juste à côté, on va faire ça, ça ira très bien. Ouh, ici! Est-ce que j'ai refait d'autres soldats entre temps? Ouais, c'est déjà un peu mieux là au niveau soldats. Voilà, je vais faire ça et puis on va continuer d'y aller. On va leur bourrer leur gueule. Mes versions 100 000. Ok, nickel. On a de quoi défendre un petit peu. La base peut gérer comme ça, y'a pas de soucis. Ok, on va y aller. On va récupérer notre bus quand même. En fait, c'est ça, c'est un peu un mix entre Command & Conquer et StarCraft 1, mais avec un meilleur pathfinding que StarCraft 1 quand même, quoi. Ce qui n'est pas difficile, certes, mais quand même, c'est non négligeable. Nice. On va même récupérer notre héros si c'est pas cool ça. Hop là, le petit coup de soin en scrud. Allez, crevez, voilà. Je peux pas casser ça, non. Nice. Pas mal de trucs ici, dis-moi. Wouah! When you are. Let's roll. Received. Our troops are under attack. Ok, ça. C'est ce qui va être le plus emmerdant, j'ai l'impression. Ah ouais, non, il se fait... Voilà, nickel. Essaye de te soigner, là, maintenant. Défendez-vous, s'il vous plaît. Et putain, ouais, par contre, l'intelligence n'est pas encore complètement au point, j'ai l'impression. Ok, attendez. Hop. Repli stratégique. Oh, bonjour. Voilà. Je vais détruire ces machins là, là juste au-dessus. Ce qui vont être un peu casse-pieds. Bah tiens. Je m'en fous, l'objectif n'est pas loin. On y arrive. Ok, bien. Défense. J'ai vu, t'inquiète. Comment ça marche ça?
je sais pas si ça fait vraiment du dégât. J'ai pas l'impression que ça marche beaucoup en fait ce truc. Nickel. Let's get him. Cassio. Voice steers back at me. Show me the way. On it. On va y arriver, hein, je le maintiens, mais. Déjà, j'ai détruit ces trucs-là. C'est pas mal. Putain, cette animation toute junkie, j'adore. Sans déconner. On y arrive. I'm here. Cassio reporting. Let's get him. I'm on the job. Je suis sûr qu'avec ça, il y a peut-être moyen de faire un peu plus de dégâts. En espérant qu'ils aient pas trop reconstruit. Oh putain, si ils ont reconstruit. Ok. C'est déjà un peu mieux. Ça. Non, ça. Let's get 'em. Our troops are under attack. Sounds good. Ça, ça non, ça, on n'est pas trop chiant. J'ai connu pire, disons. I'm on the job. Sac à merde. Nickel. Ça, c'est fait. Cassio reporting. Yes, commander. Non, non, non. Non, non. Tu ne reconstruis pas. Our troops are under attack. Who's looking for X? I'm here. Mais c'est qui reconstruit quand même, ce fumier, hein. Ready when you are. Voilà. J'ai dit non. Ready when you are. I'm here. Sounds good. Ils ont combien de baraques, les gars? Cassio reporting. Ce jeu a du potentiel, hein, c'est. Par contre, elle recharge à chaque tir, elle en fait ou quoi? Sérieux? J'ai déjà connu plus efficace quand même, les gars. Je vais attaquer par quoi? Nice! On a quand même atteint les 5000. Nickel! Commander, our scans show an underground Ticor research facility deep within Moria Montes. Management believes it holds prototypes of the M14 mining probes, and probably a database backup as well. It could reveal the locations of more hidden deposits. I could go in there with a small raiding party. Just give us the order. Très bien. Mais on va s'arrêter là, je pense. Que c'était une belle petite découverte, hein, quand même. Ouais, on est passé quasi près d'une heure là-dessus. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, hein. Le jeu est à 4€ sur Steam. Foncez, j'ai que ça à dire. J'ai que ça à dire, sans déconner. Attendez, il est... voilà. Hop. Voilà, 4€. C'est tout. Franchement, il vaut le coup, je trouve, hein. Voilà, c'est... Prenez-le. Sans déconner, il est chouette. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, hein. N'hésitez pas à mettre un pouce vert et, ou un commentaire à votre convenance, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner afin de ne rien manquer, et écoutez les gars, salut à tous. Qui là, c'est là.